Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 18, il est bientôt 10h, il est 9h44, je viens de finir de m'apprêter, je fais juste un petit peu le teint, un petit peu de crayon pour faire un liner, un peu de rouge à lèvres et on est prête. J'ai mis le petit collier, je le quitte plus, il est tellement beau celui qui était dans la box, merci ma jolie, j'adore. J'ai mis le même trio de boucles d'oreilles, ici c'est du Mabox bijoux, ma bague Victoria. De ce côté là j'ai du Wouyard et une bague que mon mari m'avait offert en améthyste. Voilà pour les petits bijoux du jour. Et la tenue, ces petits pulls magiques avec un petit pantalon de chez Action. Pour être à l'aise, en parlant d'Action, je file chez Action vite fait là pour me trouver des caisses en plastique qui ferment. Parce que vous voyez là tout ce qui est derrière, eh bien... toute cette partie, j'ai bien avancé parce que là je suis en train de faire les swatchs du coffret que vous verrez, que vous avez vu sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que je vous poste des petites vidéos et des petites choses tous les jours. D'ailleurs je vais tourner un petit TikTok tout à l'heure. Ici ça avance bien, j'ai trié mes feutres, ça avance bien de ce côté là, pour l'instant j'ai mis ça là. Et cette partie-là, en fait, va devenir coloriage, toute cette partie-là avec les feutres, etc. Et ça sera la déco, en fait, qui sera thématique, sera sur le dessus du meuble, ici, par saison. Donc, et je trouve que ça sera beaucoup plus sympa de faire ça comme ça. Et vraiment, ce coin sera dédié au coloriage. Et j'ai mis mes petites miniatures, mes petits mini briques ici. Et j'ai recommandé sur, j'ai fait plusieurs commandes là sur Temu. Et sur Shein, pour des bacs de rangement pour les feutres. Et j'ai fait pris un gros truc comme ça pour mes feutres OUU. Parce que voilà, c'est pas pratique dans le truc. À chaque fois, quand je cherche les couleurs, c'est pas pratique. Et du coup, celui-ci, je le transférais ici sur le côté. Et les OUU en face, comme ça, quand je vais colorier. Je me suis commandé pour faire quelque chose un petit peu kawaii, un petit peu rose. Voilà, pour faire un univers assez rose. Je me suis aussi fait faire sur... je sais pas ce que ça va donner sur Temu. Je me suis commandé une enseigne, enfin un truc lumineux avec Écrival Beauty. Enfin, vous verrez tout ça quand ça sera installé. Mais je suis contente là parce que ça me donne des petites choses. Je vais chez Action ce matin justement pour aller chercher des caisses de rangement pour pouvoir en fait mettre tout ce qui est par saisonnalité. Et comme ça je vais pouvoir après sortir ce qu'il y a pour Noël, tout ça pour faire ma petite déco à thématique. Et que sur le dessus en fait que du meuble il n'y aura que de la broderie qui sont terminées. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais aller fermer ma fenêtre. J'ai pas encore fait mon lit parce que voilà ça aère. Donc je vais faire le lit avant de partir. Et le temps que ça aère un petit peu, je vais faire mon lit. Et j'ai des petites choses à vous montrer aussi. J'ai reçu une petite collaboration, je crois, avec Biggest Craft. J'avais choisi quelques petits trucs. Et franchement, je suis désolée pour le bruit des voitures, la fenêtre est ouverte. Franchement, il y a un petit kit que je vais commencer de suite. Vous saurez, je pense, lequel rapidement. Donc, je vais faire mon lit. Je vais chez Action. Après, je vais aller faire 2-3 petites courses chez Intermarché. Parce que... et j'ai plus de petits légumes, enfin fruits, crudités, etc. pour accompagner mes repas. Donc je vais faire 2-3 petites courses. Et si j'ai le temps, je ferai un petit tour chez Jiffy. Je vais voir, parce que là il est déjà 10h. Donc enfin, en même temps, j'ai rien qui me presse aujourd'hui. Demain, il faut que je sois là, j'ai des livraisons fournisseurs. Donc, et jeudi, coiffeur là, parce que ça y est, il commence à être long. Coiffeur, oui. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Quand je suis revenue de chez Action pour vous faire voir ce que j'ai trouvé au niveau des caisses. Et puis si j'ai trouvé d'autres petites choses, eh bien je vous le montrerai. De toute façon, vous aurez un big haul Action vendredi, Action Jiffy, Temu, Shein. Vous aurez ça vendredi parce que je l'ai tourné, il me faut que je le monte. Il n'est pas encore monté. Allez, à tout de suite. Je voulais aussi revenir sur cet épilateur à lumière pulsée. Vous étiez plusieurs à me demander mon avis. Et aujourd'hui, il est en promo. La marque m'a envoyé un petit code promo pour célébrer le Black Friday. Donc voilà, si vous voulez passer à l'épilation à lumière pulsée, donc c'est un épilateur qui se présente comme ceci. On a un kit complet avec la notice, l'épilateur avec le nombre de pulsations qu'il contient.
les lunettes obligatoires, la prise secteur, etc. Et en fait, celui-ci, il a un effet froid, donc pas du tout de douleur. Moi, je fais jusqu'à 6 à peu près pour les jambes. Alors, au niveau de l'efficacité, je trouve que c'est quand même relativement efficace parce qu'il y a des zones de poils sur les demi-jambes où je n'ai plus du tout de poils. Par contre, comme je n'ai pas été assez assidue sur le rythme à faire, puisque les 4 premières semaines, c'est 2 fois par semaine, les 4 semaines suivantes, c'est 1 fois par semaine, et après, c'est 1 à 2 fois d'entretien par mois. Je n'ai pas fait les entretiens par mois, et dans les premières semaines, j'ai eu des loupés. Malgré tout, il y a des endroits où j'ai plus du tout de poils, même sans l'entretien mensuel. Donc là, j'ai attaqué les aisselles et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense plus tard. Mais j'en suis relativement contente. Et là, comme ça va être l'hiver, eh ben, je vais refaire une séance de 8 semaines pour les jambes et cette fois-ci être assidue pour les aisselles, etc. Et je vous en reparlerai, voir si vraiment avec les 8 semaines. Mais j'en suis relativement contente pour dépilation à lumière pulsée à la maison. Voilà. Allez, je vous mets de toute façon, il y a un code promo. Je vous mets le lien et le code promo spécial Black Friday en barre d'information. Donc, je trouve que pour à la maison, pour le prix, c'est quand même raisonnable et ça peut être une super idée cadeau de Noël. Voilà. Voilà, je suis rentrée. Donc petit tour à Action, Jiffy et Intermarché. Je vois qu'il y a quelque chose de suspect là. Là, c'est ma faute, c'est pas le chéri. Là, c'est moi qui ai rangé mon sac et qui n'est pas refermé. J'ai croisé l'une d'entre vous au Action ce matin. Donc Sylvie, si tu passes par là, un petit coucou. Enchantée d'avoir fait ta connaissance et au plaisir de te recroiser eh bien, chez Action ou autre dans le coin. Dans mon coin, voilà, donc ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Alors vous savez qui je suis, mais moi je sais pas qui vous êtes derrière l'écran. Donc voilà, un petit coucou à Sylvie qui se reconnaîtra. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Donc je vous disais, je suis allée donc chez Intermarché. Je vais vous faire voir ce que j'ai pris chez Inter, des petites courses, hein, pas grand chose. Parce que voilà, je préfère faire mes courses à Carrefour que Inter. J'ai pris une salade je crois que c'est une feuille de chêne, des bananes, du concombre, du fromage blanc et des blancs de poulet. Et j'ai pris ces petites pochettes coins que je vais tester pour protéger mes coloriages mystères que je fais à l'acrylique. Parce que quand les coloriages frottent, c'est de la peinture, hein, ça peut tendance à s'abîmer. Donc il y en a 10. Je vais les tester. En fait, c'est des pochettes coins qui se glissent sur le coloriage. Donc, à voir ce que ça donne, si c'est la bonne taille, etc. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 4 euros. Attendez voir, je vous dise. 4,50 €. Donc, si c'est bien, c'est des Oxford, ben, je reprendrai celle-ci, il y en a 10 à l'intérieur. Et, ben oui, il était tout seul dans le rayon. Et c'était le dernier. Je ne pouvais pas le laisser. Alors, je vous avais dit que je ne rachèterais pas de coloriage mystère. J'ai refait un coloriage mystère et ça y est, j'ai envie d'en refaire d'autres. Donc du coup, bah, j'ai trouvé celui-ci, je ne l'avais pas. Donc au fur et à mesure que je vais me balader, quand j'en vois, qui me plaisent. Enfin celui-là, c'était le dernier. Donc dans les Looney Tunes. Et celui-là, il a l'air assez simple, il n'a pas trop de détails. Donc ce qui va me permettre de tester les feutres là que je vous ai montré ce matin, que je suis en train de faire nuancier. Vous voyez, il n'y a pas trop de détails. Donc ça, c'est accessible débutant sans problème. Donc c'est le Looney Tunes tome 3, voilà. Donc voilà, et comme je refais mon coin colo, j'ai acheté des choses pour ranger tout ça chez Action. Donc je vous montre tout de suite, je range les petites choses qui vont au frais et je vous reviens de suite avec les petites choses que j'ai trouvées chez Action. Donc chez Action, j'ai pris, alors ça c'est chez Jiffy, j'en ai repris une, vous savez j'en avais pris une différente avec je sais plus quoi. Et là bah, du coup j'ai trouvé avec les petits gingerbread, donc ça sera sûrement pour mon coin café. C'était à 4 euros et quelques presque 5 euros. Donc ça c'est top. J'ai repris pour la salle de bain du haut. Comme je vous l'ai dit, je manquais de rangement. Là je suis en train de finir de ranger le placard. Et j'ai repris des petites serviettes invitées. Donc aller à laver dans les tons bleus pour aller dans la salle de bain. Et toutes celles que j'ai qui sont toutes pourries, je vais les garder quand je fais les ongles, etc. Donc les petites serviettes invitées. Alors les prix, je ne sais pas. Hein, comme là c'est pas un haul, c'est dans un vlog. Les prix, c'est pas très excessif. Je vous ai montré sur TikTok la dernière fois une petite trousse que j'ai pris en façon chat. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller sur TikTok et me rejoindre sur TikTok, hein, vous abonner tout simplement. Comme ça, vous ne vous prenez rien des petits hauls en avant-première. Je l'ai pris en façon un peu, je pense que c'est licorne ou c'est un chat, un nounours. C'est un autre chat.
Et franchement, on en met énormément dedans. Donc, du coup, j'ai mis dans l'autre tous mes petits feutres, tous mes fine liners. Et regardez, elle est super grande. Donc, ça, c'est top. Ça, je vais garder pour l'emballage. Ensuite, j'ai pris... Ah, je m'étais trompée. Des Twix pour le chéri, pour ici, pour le coin café. J'ai trouvé une nouvelle palette. Mais oui, la Midnight Wonder. Regardez ça. Pareil, toujours moins de 5 euros. Alors, je vais l'ouvrir. Là, ça y est, j'y file, donc, tout installé pour la déco de Noël. C'est des couleurs très chaudes, très marronnées. On a un noir et on a un crème. Ça, c'est bien. Bah, écoutez, à tester. On va tester ça, je pense, dans les vlogs de la Noël. Ensuite, pour mon coin colo, j'ai pris ça. Alors, j'espère que les tomes vont rentrer dedans. Bah, du coup, on va tester puisque j'en ai acheté un. Et du coup, j'ai essayé une page, vous voyez, la page plastique, mais elle dépasse. Donc, il faut que je la coupe un petit peu pour protéger le ici. Il y a une encoche, donc je vais sûrement couper ça pour récupérer, en fait, elle dépasse. Donc, faut que je les coupe un petit peu. Donc, on va tester. Je vais poser ça là. On va tester, voir si ça rentre, en espérant que ça rentre. Oui, ça rentre. Donc, je pense que je peux mettre 3 ou 4 tomes dedans. Donc, j'en ai pris 3 comme ça en plastique transparent. Parce que je veux comme ça, on peut voir les tomes à l'intérieur. Donc, j'en ai pris 3. Top. J'ai toujours pour mon coin colo, j'ai pris ça. J'en rêve depuis je ne sais pas combien de temps, une genre de lampe à lave. Et la particularité de celle-là, c'est qu'elle est noire. Donc, du coup, j'ai pris quelque chose pour la bomber en rose. Et regardez ça. En fait, vous avez des petits machins là, ici, dans des petites boules. Et en fait, ça tourne avec des paillettes, ça change de couleur. Et les petites boules qui vont se former en haut, eh bien, ça va faire comme un... Regardez, ça y est, ça se forme. Regardez, ça va descendre. Ça fait comme une petite tornade. Et ça fonctionne à pile. Oh, j'adore. Et ça change de couleur. J'adore. Depuis le temps que j'en veux une genre de lampe comme ça. Donc ça, ça va aller dans mon petit coin colo. Non, mais regardez ça, j'adore. Donc ça fonctionne avec 3 piles 1,5 V. Donc c'est des AA, c'est des grandes, hein, je pense. Oui, c'est ça. Donc moi, j'utilise des piles rechargeables, donc impeccable. Et comme je vous l'ai dit, comme... Hop là. Ça va être pour mon coin colo. Mon coin colo, je vais la bomber. Et j'ai trouvé cette peinture or rosé, en rose, du rosé or, sec en 10 minutes. Bois, fer, plastique, vert, intérieur, extérieur, ultra couvrant. Donc, il faut que je fasse ça une journée où il ne va pas pleuvoir, pour mettre ça, pour faire ça dehors. Donc, voilà, petite chose que je vais faire bientôt. Et j'ai pris ça pour... vous verrez dans le haul de vendredi, j'ai pris d'autres petites choses pour aller avec, parce que je veux faire un genre de village là-bas, avec toutes mes petites maisons. J'ai pris ces 3 petits sapins à 99 centimes, franchement pas cher. Et il y a 3 formes différentes, vous voyez, des plus fins. Il en restait 4 en rayon, j'ai pris les 4 derniers, enfin les 3-4 derniers. Et 99 centimes, et ça va aller avec ceux que je veux. J'ai pris un lot, 2-3 caisses comme ça, en bleu, pour, voilà... 3 fois 30 litres, donc ça c'est impeccable. Ça, je vais pouvoir mettre des étiquettes dessus par saison, ça veut dire les décos de Noël, les décos d'été, etc. Et la dernière petite chose que j'ai trouvée, ça, chaque fois que je vais chez Action, elle n'y était pas, c'est la petite maison pain d'épices comme ça, avec les petits gingerbread là, les petits bonhommes pain d'épices qui sont ici. Et en fait, c'est une boîte à provisions qui va aller ici, au coin café. Ah bah, il y a un scotch. Alors attendez, si je force comme une tarée et qu'il y a du scotch de chaque côté, oula, ah oui, le joint est, voilà. Donc vous voyez, c'est une petite boîte à provisions, à bonbons, donc elle était à, je ne sais plus combien, 8 ou 9 euros, je ne sais plus, je n'ai pas gardé le ticket, je ne l'ai pas pris. J'adore, trop mignon, ah là. Enfin trouvé, et il y en avait encore, il y avait l'autre aussi en format carré, mais j'en ai pris qu'une. Voilà pour mes petits achats chez Action. Je vais ranger un petit peu tout ça, et puis je vous retrouve pour les petites choses que je voulais vous montrer, que j'ai reçues du site Biggercraft, et les petites choses que je vais commencer, je pense certainement incessamment sous peu. Allez, je vous retrouve tout de suite. J'ai mis un coup, et petite astuce, dans le petit truc qui était dans la mini lave là, ne jetez pas ça. À l'intérieur, il y a 3 petites piles L44 et elles vont me servir puisque j'en ai acheté je ne sais pas combien pour dans
toutes les petites maisons qui sont lumineuses, et bien il y a ça dedans. Donc du coup, il y en a 3 à l'intérieur. Donc voilà, petite astuce, ne jetez pas. Je vais les récupérer, je vais les remettre dans autre chose. Je vous disais donc que j'ai reçu des petites choses du site Biggest Craft. J'ai reçu, ça il va falloir que j'aille le peindre. J'ai reçu 2-3 petites choses. Alors j'ai repris des choses comme ça, des organisateurs de fils, parce que voilà, moi je trouve ça super pratique. Mais ceux-là, ils sont pas plastifiés comme ceux que j'ai l'habitude de recevoir. Ils sont un peu... ils sont pas lisses. Alors, faut que je regarde si mon feutre va bien s'effacer dessus. Faut que je fasse un test. Donc, il y en a 10. Il y en a 5 roses et 5 verts. Et c'est des... ceux-là, c'est des formats ronds. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 20 emplacements. Donc, à voir si ça... Mais je trouve ça super pratique. Et quand j'aime bien les acheter en lot comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 kits. Alors, celui-ci, je pense qu'il sera pour vous dans un petit concours. J'ai pris ce joli diagramme qui est une petite fille qui est avec un lapin. Très joli modèle avec une belle couronne de fleurs. C'est du point... Je ne sais pas si c'est du point compté ou du point estampé. C'est un estampé. C'est un estampé. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez les fils, vous avez tout ce qu'il faut, les aiguilles, le tissu, enfin le motif. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça sera sûrement pour vous pour un concours. Elle est très jolie. Et je ne sais plus les prix. Attendez, je vais vous dire les prix. 6,63€. Si j'ai un code promo, je vous le mets comme d'habitude. De toute façon, tout sera en barre d'infos ainsi que les liens. Et la dernière petite chose que j'ai pris, ça, je vais le commencer tout de suite. Il est trop craquant. Trop craquant. Et il sera pour mon bureau. Alors déjà que je raffole des petites choses, des petits animaux habillés, mais alors là, Harry Potter, non mais, il fait 17 par 22. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. On a le diagramme, si vous voulez le faire en point compté, il est trop beau, même pour offrir ça à faire pour Noël, pour des petits passionnés de Harry Potter. Mais il est tellement kiki. Alors il y a masse de points arrière quand même pour le visage, hein, je pense que vous allez voir, il y a quand même pas mal de points arrière. Alors lui, au niveau du prix, il n'était pas cher du tout. Il était à 3,78€. Franchement. Oh non, mais vous avez les fils. Vous voyez, c'est pas un gros modèle parce qu'il n'y a pas beaucoup de fils. Vous avez les fils. Et ils avaient le modèle. Ah ouais, c'est tout petit en fait. J'adore. Et vous avez 2 aiguilles. Donc ça, je vais le commencer direct aujourd'hui. C'est sûr. Je vous montrerai l'avancée. Au fur et à mesure, mais oh, j'adore trop. Alors ça, gros coup de cœur pour celui-ci. Oh, j'adore, mais j'adore trop mignon. Donc je vous mets tout ça en barre d'informations. Je vais aller tourner 1 ou 2 TikTok. Là, j'ai un TikTok à tourner. Oui, un. J'ai un petit TikTok à tourner. Je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer, je pense. Et puis, j'ai avalé de travers. Oui, je pense que je vais clôturer. Je vais aller installer un petit peu tout ça cet après-midi dans le bureau. Monter ce vlog pour vous mercredi, que vous regardez mercredi. Il faut que je monte aussi la vidéo de vendredi. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la clôture. Je vous retrouverai, je pense, à l'étage. J'ai changé de projet sur mon cercle à broder. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure à l'étage. Allez, à tout de suite. Bon, je vous reprends. Il est 14h30. Je vais broder un petit peu. Je vais vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Alors je travaille sur, ah il y a là, c'est le petit sampler de chez All Forest. Voilà sur quoi je travaille. Et je suis en train de faire la grande théière qui est au milieu. Je suis en train de faire la grande théière au milieu. Donc j'avais déjà fait les citrons. Donc je vais avancer. Hier j'ai avancé un petit peu là, je vais avancer. Je vais regarder les petites vidéos en même temps. Le programme de cet après-midi, c'est qu'il faut que je finisse aussi cette petite chose là, le nuancier, et je vais aller commencer à aller monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je vais aussi, j'ai posté un nouveau TikTok avec des petites miniatures, allez voir ça, j'en viens d'en terminer une, je vous posterai ça sur TikTok je pense quand je vais essayer de faire la deuxième avec vous en vidéo, et comme ça vous verrez, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok parce qu'il y a plein de petites choses que je ne poste pas sur YouTube qui seront sur le TikTok. Voilà. Bon, sur ce, je vais broder. Je vais regarder peut-être un live, peut-être une vidéo, une série, je ne sais pas trop encore. On va voir, je vais broder une petite heure et puis après, voilà. Je vous dis à vendredi, je brille un petit peu.
Je vous dis donc à vendredi pour un big haul Action, Shein, Temu, Jiffy. Voilà, les derniers petits achats que j'ai fait. Donc, je vous dis à vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.